grave, Garrison, extrêmement grave. Oui, monsieur le président, malheureusement, les tests effectués en primaire tentent à souligner une baisse du niveau scolaire dans notre grande nation. Les autres nations ont certainement des idées pour parer à ce genre de coup. En tant que président, je dois avoir des idées. Vous avez des suggestions, monsieur le ministre? Une seule, monsieur. Supprimer les récréations, c'est une perte de temps. Les jeunes profiteraient de ces précieuses minutes pour en apprendre plus. Ah, supprimer les récrés, c'est impopulaire. Plutôt malvenu l'année des élections. Les autres nations ont... D'accord, ça va, faites-le. Mais commencez petit. Choisissez une école pour vérifier votre théorie. C'était exactement mon intention, monsieur le président. Et à l'heure qu'il est, notre super ordinateur est déjà en train de sélectionner une école primaire. J'espère que ce n'est pas un de ses parents impertinents qui viennent se plaindre. Oui, mademoiselle Lemon. Le ministre de l'Éducation nationale sur la 1. Le ministre de l'Éducation nationale? Bonjour, monsieur le ministre Peter Prickly. Je vous salue avec tous mes respects, monsieur. Oui, écoutez, votre pays a besoin de vous. J'ai toujours su que ce moment viendrait. Je prends le prochain avion pour Washington. Ne vous emballez pas, le pays a besoin de vous où vous êtes. Hein? Nous pensons que le temps de récréation pris sur les études est à l'origine d'une baisse des résultats scolaires. Votre école a été choisie afin de mener une expérience sans récré, afin de vérifier notre théorie. Mais, monsieur le ministre, mon école enregistre des résultats parmi les meilleurs de l'académie. Évidemment, je ne vous ai pas choisi au hasard. Mais nous sommes les seuls à le savoir. Et comme nous ne montrerons que le résultat final, je suis sûr que mon programme sera un succès et qu'après, on l'appliquera dans toutes les écoles. Monsieur le ministre, vous êtes d'une intelligence stupéfiante. Oui, je sais. Je ne comprends pas, Gus. Comment des fils à haute tension pourraient nous protéger d'une éventuelle attaque des robots géants? C'est vrai, s'ils nous tombent dessus, on est cuit. Mais non, c'est simple. En se cassant la figure sur les fils à haute tension, les robots géants vont tous s'empiler et après, il n'y aura plus de problème. Les enfants pourront jouer tranquillement pendant que les scientifiques les mettront en pièces. Quel soulagement, je sais pas vous, mais moi, je pourrais enfin dormir sur mes deux oreilles. Eh, si on profitait de la récré pour se dérouiller avant d'être obligé de retourner en classe. Rassemblement général sur le champ. Le principal a une communication importante à vous faire. Qu'est-ce que Prickly nous veut encore? D'habitude, c'est l'heure de sa partie de mini-golf dans son bureau. Votre attention, s'il vous plaît. Je viens d'avoir le ministre de l'Éducation nationale au téléphone. Il a choisi notre établissement scolaire pour expérimenter un projet qui entrera dans l'histoire. Waouh, on va peut-être tester des mini-géants pour nous rendre plus intelligents. Notre école a été sélectionnée pour guider la nation. Nous serons les premiers à ouvrir la voie de la modernité. Êtes-vous conscient d'être les pionniers de la réforme scolaire? Vous serez un peu comme ces vénards d'astronautes. Excusez-moi, principal Prickly, est-ce que vous essayez de nous dire que nous allons avoir la chance de voyager dans l'espace avec la prochaine fusée? Pas exactement. Vous allez devoir vous contenter de voyager dans votre salle de classe et d'y rester. Car par décret ministériel, dorénavant, les récréations sont interdites. Oh, non! Si! Félicitations, tous dans vos classes! Bon, vous avez entendu, monsieur le principal, la récréation est interdite. Non, c'est pas... Soutenez-moi, je vais m'écrouler! L'opération récré annulée vient de commencer. Oh oui, c'est vrai, ça ne sonnera pas. Il n'y a plus de récré. Oh, oh, quel flop. Moi, je dis qu'on devrait se rebeller pour réobtenir nos 40 minutes de récré quotidien. Ouais, faut se révolter. Hey, Tiji, t'as pas un plan? Désolé, en principe, j'aurais pas hésité à plaider notre cause en employant les grands moyens, mais là, vous me demandez d'être antipatriotique, et ça, je dis non, je m'y refuse. Excusez-moi, puis-je vous aider à quelque chose? Nous sommes agents du gouvernement. Lui, c'est l'agent Barnes et moi, Nobel. Nous venons vous tester. Ah, je vois. Les enfants, votre gouvernement est venu tester votre niveau. Plus aucun document ne doit paraître sur votre bureau. C'est votre premier test officiel. Prenez une feuille et faites passer. Stylo, prenez point une de feuille fil. Et faites passer. Stylo, point prenez de fil. Et faites passer. Stylo, point de fil. C'est grave si je prends mon stylo? Donnez-lui la version B. Bien. Vous tapez sur cette machine à écrire toute la journée. Taisez-vous un peu, Muriel. Figurez-vous qu'ici, il y a quand même des gens qui ont du travail. Oh, je sais pas la peine de me rappeler comment embaucher ici uniquement pour mes charmes. Je regrette, c'est moi, la jolie secrétaire, ici. Ouais, Vince, tu rêves? Tiens, ramasse. Oui, excuse-moi, j'étais en train de me rappeler le doux bruit du ballon quand ma grosse basket tapait dedans à l'époque de la récré. Merci. Demain, nouveau test. Maintenant, remettez-vous au travail. J'ai une idée. Nous allons passer l'heure à étudier les lois physiques appliquées lors d'une partie de football avec une boule de papier. Ou un géant! Je suis d'accord. Même moi, je ne peux supporter d'étudier une semaine entière sans avoir de récré. Mademoiselle Grotke, s'il vous plaît. Ah, oui, vous souhaitez me parler, peut-être? Et apportez votre ballon de papier. Excellent! 5 jours sans récréation et les résultats sont toujours aussi bons! Oh, Peters, je savais que mon plan ferait un malheur, je suis génial! Oui, vous êtes tordu comme un monsieur! Arrêtez de me passer de la pommade, vous ne pouvez plus obtenir de promotion cette année!
Excuse-moi. C'est rien. C'est l'heure de la pause pipi. Désolé, vos toilettes sont fermées pour l'instant. Elles étaient bien trop souvent utilisées. Non, c'est une blague, les enseignants ont aussi besoin de se reposer, d'être tranquilles. Les contribuables ne vous paient pas à ne rien faire. Oh non. Monsieur le ministre, nous avons les résultats de la deuxième semaine sans récréation. Ah, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Contentez-vous de me montrer le graphique. À vos ordres, monsieur. C'est une excellente chose, je note très peu d'absentéisme. Le gros trait noir en bas, qu'est-ce que c'est? Le taux de délinquance qui chute à pic? Non, les résultats des tests. Ces résultats doivent rester strictement confidentiels. On doit faire remonter rapidement ces résultats avant que quelqu'un ne me remette cette responsabilité sur le dos. Oui, je sais, on va demander à Barnes & Noble de comprendre pourquoi les résultats ont chuté. Merci, au suivant. Assieds-toi, nous avons quelques questions à te poser. Je peux répondre à vos questions. Les résultats sont en chute libre. Tu penses que c'est dû à quoi? Quoi penser? Trop de petites cases à remplir, c'est trop. Du temps, on n'a pas assez de temps. Pardon, je ne comprends pas le sens de votre question. Uniquement un stylo à pointe fine. Prenez un stylo à pointe fine. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Note que le sujet pointe la fenêtre du doigt. Du vent? De l'air? Tu as besoin d'air? Jouer! Arrêtez de remplir des cases, arrêtez d'écrire, plus de stylo à pointe fine. Je veux jouer dehors. Tu veux aller aux toilettes, c'est ça? Non, courir, tu veux courir. Liberté! Excusez-moi, je ne comprends pas le sens de votre question. Mes copains! Les idiots! On ne peut rien tirer de leurs réponses, elles n'ont ni queue ni tête! En vérité, je crois qu'ils nous ont fourni un indice précieux concernant la baisse de leurs résultats. Ah bon? En leur offrant à dose homéopathique ce qu'ils croient leur être nécessaire, comme jouer dehors, respirer, courir, je pense qu'on pourrait les remotiver. Cela me donne une idée. Conduisez ces fainéants devant notre comité d'experts illico presto! Grâce à nos données informatiques, monsieur le président, j'ai personnellement mis au point un programme visant à développer le potentiel intellectuel de nos petits élèves qui sont, ne l'oublions pas, l'avenir de notre beau pays. Allez, vous m'intriguez, Garrison. J'ai 2 minutes, montrez-moi donc ce programme. Mon projet consiste à accorder quotidiennement un temps de liberté aux élèves. Ils seront autorisés à courir et à s'amuser comme ils le souhaitent. J'ai baptisé ce programme « Redressement des effets de la course à la réussite écolière ». J'ai l'impression que les premières lettres nous rappellent... C'est exact, monsieur. La récré. C'est ainsi que j'ai baptisé mon programme pilote. Enthousiasmant, mais cela fonctionne-t-il? Il le faut pour le bien-être des enfants. Excusez-moi, les enfants. Nous avons épuisé le programme de l'année. Nous n'avons plus qu'à réviser maintenant. C'est l'heure du test. Préparez-vous. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez ce que vous avez ça à faire. Ça fait longtemps que t'es dans cette école. Je sais plus. Jouer. Jouer. Arrêtez de faire grincer vos dents. Si je veux, j'ai pas d'ordre à recevoir. Oh, j'en ai par-dessus la tête, Muriel. Vous êtes en train de me rendre complètement sinoque. Ce sont les plus embêtés qui font leur valise, les bonnes. Attention, faudrait quand même pas pousser mes mères dans les orties. Vous pourriez le regretter. Ouais, une seconde. Principal Prickly, le ministre de l'Éducation nationale. Mais monsieur le ministre, bien sûr j'adore mon métier. Si monsieur, je suis fier d'avoir été choisi pour expérimenter ce programme. Comment l'appelez-vous déjà? Récré. Merveilleuse idée, il n'y a qu'à Washington qu'on pouvait trouver ça. Non. Votre attention s'il vous plaît. Ici le principal Prickly. Posez vos stylos à pointe fine de calibre 2 et allez jouer dehors. Le programme de récré a commencé. D'où vient cette voix céleste? Basketball. Hey Vince, où t'étais passé? Je suis plus trop sûr. On se tape des paniers. Ouais! Monsieur le Président, j'ai le plaisir de vous annoncer que les résultats des tests sont remontés en flèche. Magnifique! Je savais que mon idée de récré porterait ses fruits. Pas vous, Garrison? Je n'en ai jamais douté. On ne vous appelle pas le grand président pour rien. Waouh, t'as tous slurpé d'un seul trait. T'aurais peut-être pas dû engloutir ton chocolat d'un coup. T'en auras plus pour ton
sandwich au beurre de cacahuète. Je sais, mais c'est plus fort que moi. Je suis un fou du chocolat au lait. Je sais pas qui a eu la merveilleuse idée de mélanger les deux, mais c'est un génie. Un génie carrément diabolique, là. Je reviens. Alors voyons, chocolat au lait, chocolat au lait. Ah, je t'ai vu. Viens par ici, mon petit. Hé, hey, qu'est-ce que tu... Hé, hey, ma chemise, c'est tout ce que mes parents m'avaient rapporté de leurs 7 années vacances à Hawaï. Ah, attaquons-nous. Baissez-vous, majesté. Attention, bataille. Viens, Ariette, on va faire une pause. Ses chaussures étaient neuves. Assaillant sur la droite. Encore une bataille, je vais y mettre le haut là. À tout à l'heure. Heureusement, mon 8 est intact. Bon travail, messieurs. Ça va, les gars? Super, c'est encore mieux que d'échanger des desserts. Hé, hey, où est Gus? Regardez. Gus, t'as pas l'air dans ton assiette. J'étais en train de choisir un chocolat bien tranquillement et j'ai vu qui c'était. De quoi tu parles? J'ai vu qui a commencé la bataille. T'en mettrais tes lunettes au feu? Arrêtez cette bataille tout de suite. Voilà, c'est mieux. Miss Finster, Miss Finster, ils ont jeté plein de nourriture dans la cantine. Oh, rassure-toi, Randall, ils vont le payer cher. Regardez ce chantier, vous êtes pire que des bêtes sauvages. Même les bêtes sauvages ne se jettent pas de nourriture. Sauf les singes peut-être, mais vous n'êtes pas des singes, vous êtes des enfants. Et les enfants ne se comportent pas comme des singes. Hank, vous passerez les éponges et les serpillères et vous astiquerez tout du sol au plafond. Ah oui. Oh. Vous me trouvez trop sévère, mais vous n'avez rien vu car à partir de maintenant, plus de récré. Plus de récréation jusqu'à ce que je tienne celui ou celle qui a eu la très mauvaise idée de commencer cette bataille. Je suis persuadée qu'il y en a au moins un ici qui connaît son identité. Bon, je vois. Puisque vous le prenez comme ça, vous resterez unis pour nettoyer vos cochonneries jusqu'à ce que quelqu'un balance ses saletés. Je parle au figuré, bien entendu. Regarde-moi ça, je suis plus crado d'avoir nettoyé la cantine qu'à cause de la bataille. On serait plus obligé de récurer le réfectoire si je disais... Non, ne dis rien. Vous ne comprenez pas, c'était... Plus un mot là-dessus, Gustave. Rapporter est indigne de toi. Ouais, un rapporteur serait exclu du groupe, c'est notre code d'honneur. T'en es sûr? Moi, je l'ai vu écrit nulle part, ce code de l'honneur. C'est naturel, regarde. Le code d'honneur est inscrit sur une carte plastifiée, c'est plus pratique que sur un bouquin. Le rapporteur est une saleté qui mérite d'avoir la tête dans une poubelle. Burk, tu vois ce que tu risques? Mais si on voit un enfant voler dans un magasin, par exemple, ou être méchant avec un chien, faut le dire. On sait que c'est difficile, mais... Ou imaginez une bande de robots qui projetteraient d'exploser la boutique de quelqu'un. Juste, il s'agit d'une simple bataille à la purée. Oui, c'est pas un crime contre l'humanité, alors boucle-la. Oui, mais... Pas de mais, tu te tais. Conseil à te demander à propos de la vérité. Ah, la vérité, comme l'oiseau vivante est belle quand elle est libérée. Libérée, si je comprends, celui qui connaît la vérité doit la dire. Bien entendu, mon fils. Merci, grand gourou, merci. Cela me soulagera de ne plus porter ce poids tout seul, tu saisis? Ça va pas la tête, on raconte pas des horreurs pareilles autour de soi. Mais c'est toi qui as dit de libérer l'oiseau. Non, celui-là, tu le boucles dans une cage et t'engloutis la clé. Tes lèvres ne doivent jamais divulguer le secret. Écoutez-moi, bande de scélérats! Vous astiquez la cantine depuis plus d'une heure et le coupable n'a pas encore été dénoncé! L'union fait la force, pas vrai, les gars? Vous êtes peut-être fort en groupe, mais nous verrons si vous supportez un interrogatoire individuel. Nous procéderons par ordre alphabétique. Premier de la liste, Adam Abel! Oh, j'en ai marre, c'est pas juste, je suis toujours le premier, pourquoi je m'appelle pas Ziggy Zwick? Au suivant! Au suivant! Au suivant! Je t'offre un soda, Randall. Oh, merci, Miss Finster, c'est vraiment gentil. Randall, j'aimerais que tu me rendes un service. Il y a là un petit qui en sait plus long qu'il ne l'admet, à toi de me trouver, qui sait. Pas de problème, c'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Je suis l'homme de la situation. Maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps.
Oh là là, j'ai la trouille, les gars, je pourrais jamais m'en sortir. T'as aucune raison de flipper, j'ai déjà été convoqué, Mickey aussi, regarde, on s'en est bien sorti. Oh, c'est facile, vous ne connaissez pas l'identité du coupable, mais moi je vais craquer dès qu'elle va m'interroger. Je vais te donner un truc pour résister, tu penses au chocolat. Au chocolat? Oui, quand j'ai peur, moi je pense au chocolat, je l'imagine et toutes mes angoisses font par miracle. Oui, moi aussi j'adore le chocolat. J'y pense fort et ça va aller. Ouais, merci pour le tuyau, je vais me concentrer sur le chocolat, je sens que ça marche déjà. Suivant. Non, vous ne me ferez jamais parler. Le code d'honneur condamne violemment les rapporteurs. Le code d'honneur, hein? Nous allons voir si tu es capable de le respecter. Tant pis pour l'alphabet, tu es le suivant. Tu sais, je peux être ta pire ennemie ou ta meilleure alliée. Veux-tu faire ami-ami avec moi, cher Gus? Ça vous tenterait de faire une partie de ballon? Ne joue pas au plus malin. Je voulais pas me moquer de vous. C'est Deadweiler qui a lancé le coup d'envoi à la purée, pas vrai, Griswold? Non, ce n'était pas Deadweiler, mais ce démon de Spinelli. Ou alors, la salle. Ah, je vois, tu préfères jouer la carte de la loyauté. Je partage ton point de vue. Mais quand j'ai quelqu'un dans le collimateur, je peux être une peau de vache. Pendant les récréations, je vous forcerai à arracher les mauvaises herbes et vous serez obligatoirement inscrit au cours de danse folklorique scolaire. Mince au chocolat. Concentre-toi, concentre-toi. Et plus d'autorisation de sortie. Le chocolat. L'infirmière mettra le thermomètre au réfrigérateur. Miam, miam, mon gars. Vous serez contraint à... délicieux. Jouer au bridge. Fondant. Taillez les haies. J'adore le côté croquant des noisettes. Désolé, je viens d'écraser une mouche. C'est sûrement les hommes de la brigade stupéfiante. Entrez! La brigade stupéfiante? Salut, Muriel. Vous l'avez? Elle est là. Il y a au moins une heure qu'il est là-dedans. On n'aurait jamais dû le laisser y aller. Il fallait le cacher. Gus, ça va? T'as craqué? Laissez-le, vous voyez bien qu'il est sonné. Mon enquête est officiellement terminée. Merci, messieurs. Le criminel a été identifié. Oh là là, elle a trouvé qui le coupable est... Randall Wilms. Non, attendez, c'est un malentendu. C'était un accident, je vous jure. La purée m'a glissé des mains. Je l'ai pas fait exprès. Tu me déçois énormément, Randall. Mon propre espion s'est retourné contre moi. Mon monde vient de s'écrouler. Griswold, sale casteur, j'aurai ta peau de rapporteur. Sale traître. Alors, Griswold l'a rapporté? Ouais, il a lâché le morceau, c'est une balance. Non, j'ai rien dit du tout, je vous le jure. Le code d'honneur est clair là-dessus. Le rapporteur aura illico la tête dans la poubelle. Apportez la poubelle. Non, laissez-le tranquille. Oui, c'est encore notre copain, même s'il a cafardé. Mais j'ai pas cafardé. Stop! Lâchez-le tout de suite. Je te réglerai ton compte tout à l'heure quand ta petite copine sera sortie. Adorable Griswold n'y est pour rien, le pauvre Randall a été désigné. Par la science. Hein? Mais qu'est-ce que dit la science? C'est très simple, en réalité. J'ai eu mon premier indice dès le début de l'enquête. Je vais vous expliquer. Je me suis rendu sur les lieux du crime et là, j'ai obtenu ma première indication. Une empreinte digitale à la purée de pommes de terre. Ensuite, j'ai appâté mon suspect numéro 1 jusqu'au distributeur de boissons fraîches. Je savais qu'il ne pourrait pas décliner mon offre. J'ai envoyé la pièce à conviction au laboratoire afin qu'elle soit analysée. La preuve est accablante. Malheureusement, une fois que le labo avait confirmé mes soupçons, je ne pouvais plus douter que Randall avait été le facteur déclenchant. J'étais dans l'obligation de le punir comme prévu. Quelle fascinante histoire, Miss Finster, mais il y a une chose illogique là-dedans. Si Gus ne vous a rien dit au sujet de Randall, pourquoi était-il votre suspect numéro 1? Parce que, chère Mademoiselle Holmes, si Gus ne m'a rien dévoilé, il a bien été le seul à tenir sa langue. Quoi? Je comprends pas. À part toi, mon garçon, les autres élèves, y compris tes soi-disant amis, ont tous craché le morceau sans aucun scrupule. Faites-moi bien rigoler avec votre code d'honneur. Ça alors? Je n'arrive pas à y croire. Après ce que j'ai enduré à cause de vous, vous avez osé tout raconter à Finster? T'oublies que c'était notre écrit qui était en jeu. Oui, ça comptait que ce récurage a esquinté mon dernier honte. Mais je croyais que c'était la honte de rapporter. Personne n'applique le code d'honneur. Le rapportage est à l'image de la vie. Ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. Parfois, c'est bien de dire la vérité. Et parfois, il vaut mieux s'abstenir. Mais le fameux code d'honneur, il est carrément naze. Griswold, comment oses-tu critiquer le code? C'est un devoir d'honorer les traditions ancestrales. D'accord, dans ce cas, selon le code d'honneur, puisque vous avez tous rapporté, vous devez tous avoir la tête dans la poubelle. Oui, effectivement, Gus. Mais vu que nous n'avons pas assez de poubelles, tout le monde est pardonné. Attendez! Encore une chose que je comprends pas, c'est moi le seul à avoir vu Randall balancer la purée. Alors comment avez-vous pu dire qui avait commencé la bataille? Comme l'eau de la rivière s'écoule, la vérité se répand inexorablement.
Bon, d'accord, c'est moi qui ai cafeté.